L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les écritures. Oh, oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Amen, amen, amen. Elle souffle dans la main de l'homme. Ouh, ouh. Elle est plus forte que les écritures. Poussez des cris de joie. Regardons un peu le grand prophète Moïse. Ordonna la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage: vous ne devez jamais prendre des païennes. Mais lui-même se maria à une païenne. On s'est la montré la vie de Jésus-Christ qui devait se marier à une païenne. Regardons encore Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Oh, étant sur terre, il était plus que prophète. Il connaissait la loi de Moïse qui disait que, enfant d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Ma chair et bois mon sang pour avoir la vie éternelle. Oh, oh, oh. L'inspiration, oh, c'est le monde de Dieu. Oh, oh, oh. Elle vient, oh, de la voûte céleste. Elle souffle, oh, dans la main de l'homme. Oh, oh, oh. Elle est plus forte que les écritures. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Quand un homme chante sans l'Esprit de Dieu en lui, ceci est semblable aux cymbales qui retentissent. Quand l'inspiration vient, c'est très différente. Elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser des cris, elle fait dire amen et alléluia. Elle réconforte et elle nourrit. Elle marque la différence, c'est ça le monde de Dieu. Oh, oh, oh. L'inspiration, oh, c'est le monde de Dieu. Et elle vient, oh, de la voûte céleste. Elle souffle, oh, dans la main de l'homme. Oh, oh, oh. Elle est plus forte, oh, que les écritures. Alléluia. Elle est semblable au serpent de Moïse. Elle avale les chansons des autres. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Car un homme de chair ne peut pas chanter comme cela.